Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous accueillir pour votre vidéo mensuelle du mois d'octobre où on va aller voir dans un premier temps qu'est-ce qui pourrait se passer pour vous dans tous les domaines en général. Par la suite, on va aller voir au niveau de votre activité professionnelle. Et si vous êtes à la retraite, pensez à vos activités que vous faites au jour le jour ou peut-être même à vos activités de loisirs. Et un autre tirage sentimental. Donc, est-ce que vous avez des chances de rencontrer ou qu'est-ce qui se passe dans votre relation à ce moment-ci? Et je vais terminer avec les cartes conseils pour chacun des décans. Ne vous inquiétez pas, vous allez tout retrouver ça dans la description grâce à la minuterie pour pouvoir vous diriger si vous souhaitez regarder seulement des portions de cette vidéo. Sachez par contre que pour ce qui est des décans, je remarque que souvent, tous les messages de tous les décans font pour tous. Et si vous êtes ici, peut-être parce que Sagittaire, oui, c'est votre signe solaire, mais peut-être aussi que vous y êtes parce que c'est votre signe lunaire, votre ascendant ou votre signe de Vénus. Super, parce que de toute façon, moi, je vous conseille à aller voir sous tous ces signes-là pour avoir un beau complément d'informations pour ce mois d'octobre qui arrive bientôt, bien oui. Et encore une fois, si vous ne les connaissez pas, vous allez retrouver des liens pour les découvrir dans la description. En même temps, même si c'est un tirage spécifique pour les Sagittaires, il en reste pas moins que prenez ce qui fait du sens dans votre vie par rapport à ce que vous vivez et aussi par ce qui vous fait vibrer, ce qui vous appelle. Laissez tout simplement le reste derrière vous. Puis avant de commencer, je tiens absolument à vous remercier pour vos likes, vos partages, vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux. Je suis très heureuse de vous accueillir également, bien sûr, et vos commentaires qui sont très importants pour moi. Parce que, d'un, je trouve ça très agréable de vous lire et ça me motive à poursuivre ces vidéos gratuites pour vous. Vous faites plaisir aussi, on ne se le cachera pas à l'algorithme de YouTube. Et ça me permet de rester sur cette plateforme et d'être vue. Donc, c'est important pour moi de vous remercier pour votre fidélité et votre présence. Donc, on va commencer sans plus tarder. Pour ceux qui aimeraient avoir une lecture personnalisée, en privé, vous allez retrouver mes coordonnées, c'est-à-dire mon adresse courriel tout au bas de la description. Donc, on commence avec l'énergie principale qui va vous accompagner les Sagittaires au cours de ce mois d'octobre et on vous parle du pardon. Soit que vous avez à vous pardonner vous-même, soit que vous avez à pardonner à quelqu'un pour une situation. L'idée du pardon, c'est pas obligé d'être en face à face, de dire à la personne « je te pardonne ». C'est comme si, en quelque part, ça lui donnait l'autorisation de vous blesser encore. Mais c'est plutôt de lui pardonner dans votre intériorité pour pouvoir vous en libérer, vous en détacher aussi de la situation pour pouvoir avancer, avec plus de liberté, plus de facilité, parce que vous allez arrêter de ressasser la situation en particulier qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer. C'est très important le pardon, parce que sa fonction principale, c'est de vous libérer, puis c'est ça l'idée, ce que vous souhaitez, c'est continuer votre chemin. Parce que quand vous vous accrochez à vos blessures, peut-être à des injustices aussi du passé, vous faites que vous enfermez dans cette douleur, vous lui donnez de l'énergie, puis en plus, ça fait redescendre vos vibrations. Donc, pardonner, c'est à ce prix-là que vous allez pouvoir retrouver votre liberté. Je ne suis pas en train de dire non plus de fermer les yeux sur ce que quelqu'un a pu vous faire comme mal ou encore moins de l'approuver, mais c'est de refuser de vous poser en tant que victime. C'est de reconnaître que d'une certaine façon, vous avez laissé un certain pouvoir
à cette personne-là, d'autant plus si vous continuez à le ruminer. Donc, pardonnez pour couper les liens d'énergie négative qui vous relie encore à cette personne ou en fait à l'événement qui vous a blessé, qui vous a fait du mal. Puis ça va vous permettre de prendre votre envol. Puis votre vie, ben oui, elle va en être transformée. Vous allez devenir adepte du pardon. Donc, soit qu'il y a quelqu'un qui vous a blessé puis pour lequel vous avez besoin de le pardonner, ou en tout cas la situation, l'événement, ou soit il y a quelqu'un qui va peut-être même demander votre pardon, qu'il y a une situation... Ou en tout cas, vous allez être dans une énergie pardonnée pour vous libérer puis avancer plus sereinement en vous sentant beaucoup plus libre. On va aller voir une qualité que vous devriez mettre plus en avant au cours de ce mois d'octobre. Quelle est cette qualité qui va vous aider, qui pourrait peut-être vous permettre... Voyez-vous, on vous parle du détachement. C'est ça que ça va créer, le pardon. Un détachement. Quand j'aime quelque chose ou quelqu'un, est-ce que j'essaie de me l'approprier et de le garder pour moi tout seul? L'amour dit inconditionnel implique le détachement complet. J'accepte la richesse, mais je ne m'y attache pas. J'accepte l'amitié et l'amour, mais je n'attache personne en leur nom. Je me détache peu à peu du passé pour faire plus de place à la nouveauté dans ma vie en pardonnant une situation, un événement ou à quelqu'un qui vous a blessé. Oui, ça va vous permettre de vous en détacher, donc automatiquement de vous en libérer et de faire la place à de nouvelles opportunités. Le ressentiment, là, c'est vous que ça fait souffrir, hein, comme on disait. Ça vous met dans une situation de victime. Vous n'êtes pas victime. En général, qu'est-ce qui se passe dans votre vie? On va aller voir ça avec cette énergie de pardon, de détachement. Tous les domaines de votre vie. Et là, j'échappe tout. J'ai les mains pleines de pouces, encore une fois. Ah, la voilà! Ben, le fou, voyez-vous, qui parle de liberté. Quand le fou se présente, ça suppose que dans votre vie, il y a quelque chose qui vous insatisfait, hein, qu'il est temps pour vous de partir vers de la nouveauté, de vous mettre en action en ayant confiance que la vie, elle est là pour vous porter, pour vous supporter, pour faire en sorte que quand vous faites ce saut dans l'inconnu, dans la nouveauté, dans l'ouverture, en étant prêt à apprendre de nouvelles choses, comme un nouveau départ dans votre vie, et de faire ce saut, ça va vous apporter, ben vous allez, c'est drôlement, vous allez vous sentir beaucoup plus en sécurité, en confiance avec vous-même, et ça peut vous apporter aussi, même au niveau de vos ressources matérielles et financières plus, parce que le 10 de denier ici, il nous parle d'héritage. Vous pourriez recevoir un héritage qui pourrait vous permettre de vous libérer de quelque chose, de partir en neuf vers de nouvelles aventures ou vers une nouvelle aventure. Ça peut être, oui, sous forme d'héritage, sous forme de gain, de l'argent qui arrive, que vous n'aviez pas prévu, qui va arriver ou qui va vous permettre justement d'accroître vos ressources, d'avoir plus de matériel, de financier et de vous placer avec plus de sécurité parce que ça va même vous permettre d'en mettre de côté. Ben voyez-vous, on a le 4 de denier. Qui nous parle de s'accrocher en quelque part, le 4 de denier, on s'accroche à ce qu'on a déjà. On veut bien partir à l'aventure, mais en quelque part, on ne veut pas perdre ce qu'on a déjà. On veut s'y accrocher. Et vous avez le roi de denier derrière. On est beaucoup dans les deniers finalement, on est beaucoup dans la sécurité financière. Le roi de denier, ben c'est celui qui maîtrise les finances, hein, qui les fait croître, qui les fait grandir parce qu'il investit, il fait des placements, il prend des risques, mais des risques calculés.
Donc, le 4 de denier ici vous parle, oui, de vous accrocher à ce que vous avez, mais de prendre aussi des risques pour pouvoir le faire croître ce que vous avez déjà, pour le faire grandir, de prendre des risques calculés. On a le jugement pour vous ouvrir à la nouveauté, à votre renaissance aussi. Le jugement, c'est un peu aussi le bilan de notre vie. Et possiblement que c'est ce bilan qui vous donne envie de sauter dans le vide, de partir vers quelque chose de nouveau. Le jugement nous révèle davantage à nous-mêmes, à qui on est, et ça nous permet aussi de nous révéler aux autres. C'est un réveil, hein? C'est la vie, c'est l'univers qui vous envoie quelque chose qui vous permet un réveil, une renaissance et une évaluation, un bilan de ce que vous avez fait jusqu'à présent. C'est un moment de réflexion qui est profond sur votre passé pour la possibilité de vous en aller vers un nouveau départ, vers de la nouveauté. C'est un appel vers un but supérieur à ce que vous êtes présentement. Donc, on vous invite bien sûr à écouter votre appel intérieur, à un renouveau, à une transformation profonde qui est possible quand vous acceptez aussi cette vérité. Oui, parce que même si tout ça va vous apporter une clarté d'esprit, une idée nouvelle. Et c'est peut-être cette nouvelle idée d'avoir fait le bilan de votre vie, de vos expériences, pour partir sur un nouveau départ. Mais oui, en gardant vos expériences, en gardant ce qui a fonctionné aussi dans votre vie. Hein. C'est pas qu'on jette, on jette pas tout à l'eau, mais on conserve, grâce à notre bilan, à notre évaluation, ben, de ce qui a fonctionné, puis on se délaisse du reste. On part avec un esprit ouvert à la nouveauté, avec foi, avec confiance. Vous êtes peut-être dans une situation actuellement qui fait en sorte que vous avez dû vous battre énormément. Hein, on est presque épuisé, on est fatigué, on devient méfiant, on se demande est-ce que j'ai fait les bonnes choses, est-ce que je suis en train de faire les bonnes choses? C'est un peu le bilan peut-être par rapport aussi à une situation en particulier. Puis de tout vous poser les bonnes questions, ça vous ramène cette clarté d'esprit pour vous permettre de continuer d'avancer. Le 9 de bâton, c'est une carte de persévérance qui vous demande de ne pas laisser tomber parce que vous êtes à un tournant, de trouver possiblement une solution avec cette as d'épée, puis de résoudre la situation que vous êtes en train de vivre à ce moment-ci, actuellement. On va aller voir plus loin. Voyez-vous, sous notre fou, on a notre roi de denier qui revient, hein, qui vous dit d'investir, de prendre des risques. Comme le fou, c'est ça qu'il fait, il prend un risque, il saute dans le vide. Mais peut-être ici, de peut-être le planifier un peu plus en faisant le bilan pour ensuite prendre les bons risques, des risques comme planifiés, des risques calculés qui vont vous permettre d'investir puis de mettre votre énergie dans ce qui va vous permettre d'accroître ce que vous avez déjà. Bien, avec prudence, hein, c'est cette DP qui nous parle de prudence. De faire attention, d'y aller avec logique par rapport au bilan que vous allez avoir fait. Parce que ici, il y en avait aussi de la prudence, de la méfiance, puis là, on a le 7 d'épée qui se ramène. Vous êtes un peu méfiant à l'idée d'investir, de placer, de peut-être de prendre des risques calculés. On vous demande de faire encore de beaucoup de réflexion, hein? On a le pendu, de voir les choses autrement, de vous ouvrir à de nouvelles idées, à de nouvelles perspectives, en prenant de la hauteur. On a encore l'idée de bilan
de faire la part des choses, peut-être de voir ce qui a bien fonctionné, puis de vous détacher de ce qui a moins bien fonctionné, parce que ça va éclairer la situation, ça va éclairer ce que vous êtes en train de vivre pour aller vers un succès. D'autant plus qu'on avait l'as d'épée, hein, qui vous apporte aussi une percée mentale, une compréhension nouvelle des choses. Le jugement aussi, il nous en parle. Donc, vous vous en allez vers certainement plus de prospérité ou en tout cas de croissance, d'éclairage nouveau, d'ouverture. Et nous parle aussi le soleil de réussite. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et c'est vraiment de regarder les choses dans tout leur ensemble, dans toute la globalité qui permet cet éclairage. Et de vous défaire finalement de votre prudence, de votre méfiance, de peut-être de ne pas être sûr. Le bilan, l'évaluation de où vous en êtes dans votre vie. C'est ça aussi qui va vous donner l'envie de persévérer, de voir que vous êtes à un tournant, de trouver la solution avec notre as d'épée. Ici, j'en ai deux. J'ai l'as de coupe et j'ai l'empereur. Ben, pour reprendre le pouvoir, hein, sur votre vie et vous amener vers quelque chose qui vous tient à cœur. Ça, pourquoi vous vous battez, ça vous tient à cœur, c'est important pour vous. Vous y mettez du cœur en reprenant ben, le pouvoir sur sur votre cœur, sur vos émotions, en maîtrisant vos émotions, en ayant de la patience, de la compassion pour vous-même avec ce 7 de Pentacle. En comprenant que ce n'est pas tous les projets dans votre vie qui vont grandir, qui vont croître à la même vitesse. Comme quand on sème des graines, on sait très bien que ce n'est pas toutes les plantes qui vont grandir à la même vitesse. Il y en a que ça prend plus de temps, il y en a ça en prend moins, il y en a qui demandent plus d'ombre, plus de soleil, mais c'est en arrosant, j'ai envie de dire, votre jardin de ce que vous voulez, que vous allez pouvoir, avec discipline, peut-être avec structure, en établissant des règles, en suivant votre intuition, que vous allez résoudre ici cette situation, cet événement pour lequel vous vous battez encore parce que ça vous tient à cœur, c'est important pour vous. Pour d'autres, ça peut être l'as de coupe, vous le savez, hein, c'est une nouvelle opportunité qui va vous impacter au niveau émotionnel. Mais de la maîtriser, de maîtriser vos émotions, encore une fois, et de cultiver tranquillement, d'arroser au jour le jour pour réaliser, parce que ça va se mettre à avancer. Vous allez comme partir à la quête de cet as de coupe, qui peut être une réconciliation pour certains, oui, avec votre amoureux, votre amoureuse, mais peut-être avec une amie, avec une situation, un événement. Parce que vous allez avoir fait tellement un grand travail sur vous-même, hein, parce qu'on a le pendu, on a le jugement. On a eu d'autres cartes aussi qui vous demandaient d'entrer à l'intérieur de vous, de faire un bilan. Et c'est dans ce bilan-là qu'il y a la solution qui vous amène les idées claires, que ça vous permet d'y aller avec plus de cœur, en étant ouvert à l'aventure. Le cavalier de bâton, il est ouvert aussi à l'aventure. À l'aventure, peut-être de regarder certaines parties sombres de vous que vous n'osez pas regarder. Peut-être de peur qu'elles prennent plus d'ampleur. Mais en fait, c'est qu'en les regardant, vous leur apportez un côté lumineux, puis ça peut vous propulser vers autre chose. Ça,
Oui, vous propulsez à avoir encore plus les idées claires, d'avoir plus de sagesse, de discernement et de pouvoir couper, trancher dans les décisions en vous comportant comme l'empereur pour faire accroître votre empire. On va aller voir au niveau, en vous détachant aussi, hein, c'est un peu ça. Ça va vous permettre, la Lune, d'aller voir le côté peut-être sombre qui vous habite, mais que vous n'osez pas regarder, mais ça va vous permettre de les mettre au grand jour, puis ensuite de couper avec ce qui n'a plus lieu d'être, puis de garder, de conserver ce qui est bon pour vous. Au niveau de votre activité professionnelle, on vous parle de culpabilité. 51 que je réduis à 6, qui nous parle de responsabilité. Bon, on va aller voir plus loin. La culpabilité, c'est jamais le fun, hein, parce qu'ici, avec les mains, c'est comme si on vous accusait de quelque chose. Il y a quand même quelque chose qui vous amène vers des contrats, vers des signatures de contrats, pour construire plus solidement au niveau de votre activité professionnelle. C'est comme si vous vous sentiez aussi coupable de quelque chose. Peut-être un mal-être, un sentiment de malaise par rapport à une signature de contrat. Ou d'avoir vous donné votre accord à quelque chose en particulier. On va aller voir avec les autres cartes. Ici, on parle de correspondance, d'avoir des échanges, des communications de toutes les formes, hein? Par courriel, par texto, des conversations verbales. On vous parle de justice, d'être dans la vérité, de mettre les choses au clair, d'apporter des changements justes, équitable pour tous. Ah, puis un cadeau qui arrive pour vous. Je la sens ici comme, ben, vous vous sentez coupable pour quelque chose, mais d'avoir donné votre accord, peut-être concernant de la correspondance, des documents reçus, des documents légaux, peut-être d'avoir divulgué quelque chose qu'on vous demandait peut-être de ne pas dire, mais vous vous êtes échappé. Mais ça amène quelque chose de bien, quelque chose de juste. En plus, ça apporte un cadeau, quelque chose que la vie vous envoie, qui va peut-être vous permettre aussi d'y voir plus clair. On va aller voir avec le tarot comment on peut préciser tout ça. Je sens comme l'imposture, comme si vous vous sentiez un peu comme un imposteur par rapport à cet accord. Oh, j'en ai beaucoup trop ici. On a le 4 de denier qui revient. On l'avait dans le premier tirage, la deuxième carte, hein, de s'accrocher à ce que vous connaissez, à vos compétences, peut-être à votre spécialité, à vos expériences. Ouais, parce qu'il y a un souhait qui va se réaliser, qui va vous apporter de la satisfaction personnelle. Ça peut être un coup de chance aussi, avec la coccinelle, hein, le cadeau qui est là. Un souhait exaucé, que l'univers exauce pour vous. J'en ai trop. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour éclaircir tout ça? On a la reine de bâton. C'est la guerrière, hein? Une guerrière pacifique pour moi, une guerrière ben, qui est joyeuse, qui est optimiste, qui voit toujours le bon côté de la médaille. C'est peut-être ça que vous avez de la misère à voir. Oui, peut-être. Est-ce qu'il y a eu une bévue ou une divulgation de quelque chose qui devait rester caché, mais qui amène quelque chose de bien. Accrochez-vous davantage à vos connaissances, à vos compétences pour rester plus, j'ai envie, dans la joie, dans le bonheur, puis d'avancer vers ce qui a de l'importance pour vous.
ce qui vous tient à cœur. Parce que c'est ça qui va vous permettre d'y voir plus clair, d'avoir plus de discernement en rassemblant tous les faits et de pouvoir prendre une décision juste et plus éclairée avec beaucoup plus de discernement. Parce que vous êtes capable aussi de voir venir les choses. Mais je sens que c'est vous qui vous sentez coupable de quelque chose. Ben oui, bien par la suite, de rester plus jovial, hein, plus dans l'optimisme, d'avancer vers ce qui vous passionne, ce qui vous donne envie, ce qui vous motive à avancer, ça va apporter d'autres opportunités, des bonnes opportunités, puis vous êtes prêt à les recevoir. Encore une fois, avec là, on avait la reine, tantôt, là, on a le roi qui vous apporte de la sagesse, de l'éclaircissement par rapport à cette idée d'attendre la bonne opportunité pour vous, pour avancer. Puis à laisser ça, cette culpabilité, d'avoir peut-être une forme de regret pour quelque chose, ou puis d'avancer, mais en choisissant mieux peut-être vos batailles. Peut-être est-ce que vous êtes entré dans une bataille inutile, qui vous a peut-être plus blessé, plus fait de mal qu'autre chose. Donc ici, c'est un combat intellectuel par rapport à vous-même. Il y a beaucoup d'épées, hein? Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'épées. Hein? Vous êtes beaucoup dans vos pensées. Ici, avec le 2 d'épée, ben, c'est de, en quelque part de faire un choix pour avancer, même si vous n'avez pas toutes les informations. D'avancer, de faire un choix avec ce qui vous est présenté, avec les informations que vous avez. Vous ne pouvez pas vous tromper. Mais c'est sûr que le 2 d'épée, il bloque parce que vous avez peur de vous tromper, de ne pas faire le bon choix. Et c'est peut-être de là que vient votre conflit mental, votre bataille mentale. Wow! Mais ça vous amène à beaucoup plus de sécurité dans votre vie. Oui, au niveau financier, au niveau aussi de vos ressources, de peut-être de vos expériences, de vos acquis, de vos compétences. Oui, puis vous allez avancer vers un objectif de vérité. C'est comme si vous vous battiez pour la vérité de quelque chose. Le cavalier d'épée est en quête de vérité, de trouver des solutions aussi. Possiblement pour vous départir de quelque chose pour lequel vous vous sentez soit un imposteur, soit coupable, soit d'avoir dévoilé peut-être quelque chose qui n'aurait pas dû, mais vous l'avez fait parce que c'était juste pour vous, c'était important, puis ça vous apporte un cadeau au niveau professionnel. Oui, ça va vous permettre de remplir votre coupe, ça va vous permettre bien, plus de sécurité financière, mais aussi... c'est comme si ça venait solidifier votre emploi ou votre entreprise. Je sens qu'on va reconnaître votre loyauté. Et ça va permettre de remplir votre coupe. Ça va vous impacter émotionnellement. Ça va vous faire un très grand bien, c'est certain. Ça peut apporter aussi un nouveau départ vers quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, qui est important pour vous. On va aller voir au niveau sentimental, de quoi est-ce qu'on vous parle. Et peut-être aussi de vous détacher hein, de cette situation-là pour pouvoir avancer puis mettre quelque chose de nouveau qui vous tient à cœur, qui est très important pour vous. De vous détacher de votre conflit intérieur, de votre conflit mental, de vous battre avec vous-même avec une foule d'idées. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental et sagittaire? De quoi est-ce qu'on vous parle? On vous parle de liens karmiques. Soit vous êtes déjà dans une relation qui a des liens karmiques, que vous êtes convenu de vous retrouver dans cette vie-ci, soit c'est la personne qui arrive pour vous. On vous parle de nouvelles, que vous recevez des nouvelles. On parle de communication aussi, peut-être.
On peut communiquer, je ne sais pas moi, via les réseaux sociaux, par texto. Est-ce que vous êtes éloigné à ce moment-ci de la personne? Ceux que c'est une nouvelle, ceux qui sont célibataires, peut-être que vous commencez en échangeant. Parce qu'il y a de la trahison. Bon, c'est jamais chouette, hein, la trahison. D'autant plus qu'on est dans l'énergie du pardon. Mais une trahison qui va vous amener des opportunités. Peut-être que les communications sont autour de cette trahison. Mais malgré tout, cette trahison vous apporte de nouvelles opportunités, ben de rencontres pour régler l'instabilité qui règne à ce moment-ci, pour laisser tomber les masques, pour être plus dans la vérité, la justesse. Et on a encore la notion du cadeau. Un cadeau, selon moi, qui arrive de l'univers pour vous détacher de cette trahison, puis peut-être d'en venir à un pardon pour vous en libérer. On va aller voir plus loin avec le tarot. Wow, on part quand même avec le soleil. Donc, un éclairage qui va s'amener dans cette situation de trahison, d'infidélité, de triangulaire, d'adultère, d'hypocrisie, quoi qu'il en soit, ça va s'éclairer. Le soleil va apporter un éclairage nouveau, une compréhension nouvelle. Parce que vous allez avoir pris le temps, hein, avec ce pendu, de réfléchir à la situation, de la regarder dans tous ses sens. Peut-être même encore une fois pour réaliser un souhait, le 9 de coupe qui revient, on l'a eu tout à l'heure, avec la coccinelle, hein, qui parle un peu, oui, de chance, un souhait réalisé, mais quelque chose qui nous apporte une satisfaction personnelle, émotionnelle, qui remplit notre coupe. On a notre roi de denier qui revient. En prenant des risques calculés, en mettant vos énergies au bon endroit, notre fou qui revient, wow! Pour vous libérer, ben, je pense en pardonnant, en vous pardonnant à vous-même peut-être, d'être resté dans une situation d'infidélité, de trahison ou en tout cas qui vous faisait souffrir. Vous voulez sortir de cette instabilité-là, laisser tomber les masques, d'être plus dans la vérité, dans l'authenticité, puis ça vous apporte un cadeau de l'univers. De prendre le temps, le soleil va éclairer le temps de pause que vous allez prendre, parce que là, vous êtes comme à l'arrêt. C'est comme si la relation, pour ceux qui sont en relation, vous êtes à l'arrêt. Si vous êtes célibataire, vous êtes à l'arrêt aussi. Peut-être est-ce que vous n'êtes pas encore à 100% prêt à entrer dans une relation parce qu'il y a des choses à pardonner, à vous en défaire, à vous en libérer pour avancer plus facilement. Et ensuite, mettre vos énergies au bon endroit, en vous-même, pour vous-même, en maîtrisant vos émotions comme ce roi de coupe, en ne laissant pas vos émotions vous empêcher d'avancer vers ce que vous souhaitez, mais plutôt en les utilisant pour vous diriger vers ce que vous souhaitez, en suivant votre intuition. Parce qu'il y a une relation à terminer ici avec le 10 d'épée. Hein, le jeune homme ici, il s'en va un peu comme en catimini. Il laisse une rose bleue, il quitte la dame. C'est une fin en soi, le 10 d'épée. Mais qui va vous libérer parce que ça va vous redonner de revenir maître de votre vie avec cet empereur. Et de vous détacher ensuite de cette relation-là pour aller vers autre chose. C'est un cadeau.
Tout va s'éclaircir, tout vous, a, vous allez voir, j'ai le sentiment, les raisons, les pourquoi, les peut-être les où est-ce que vous auriez dû, puis que vous avez pas fait, mais pas pour vous taper sur la tête, mais pour comprendre la situation, puis ensuite investir en vous, en suivant votre cœur, en suivant votre intuition, en suivant vos bonnes émotions, vos bonnes vibrations. Parce que la fin, elle est proche et elle n'est pas déjà là. Il y a une situation qui va prendre fin parce que vous allez reprendre le contrôle de vous-même pour vous amener vers quelque chose de mieux, une nouvelle relation éventuellement, autant pour ceux qui sont en couple là, que les célibataires. On va aller voir maintenant les cartes conseils. Pour le premier décan, les Sagittaires du premier décan, de quoi est-ce qu'on vous parle? De vous lancer. Un nouveau départ s'offre à vous. On est encore un peu comme le fou qui revient. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Écoutez aussi hein, votre intuition, encore une fois, vos ressentis. La vie est là pour vous porter, pour vous supporter, pour vous amener plus loin. Donc, un nouveau départ qui s'amène. Puis, on avait l'as de coupe qui était, oui, quand même au niveau du travail. Mais quelque chose quand même qui va vous impacter émotionnellement. Faites-vous confiance, faire confiance, ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides absolument qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Bien, en même temps, oui, vous pouvez écouter les avis des autres, de comment ils voient la vie, mais en fin de compte, après, c'est à vous à prendre vos décisions en suivant, oui, votre instinct, votre intuition, votre cœur, tout ce qui vibre à l'intérieur de vous pour vous permettre d'avancer vers les bonnes choses, ce qui fait, vous fait vibrer, ce qui est important pour vous. Quel autre conseil qu'on a pour vous, les Sagittaires du premier décan? Ben, voyez-vous, il est temps de te poser et de réfléchir sans pression à ce qui est bon pour toi, hein? À vous mettre à l'arrêt, comme ce pendu ici, pour voir qu'est-ce qui est mieux pour vous, pour ensuite construire beaucoup plus solidement. On vous dit, tu peux partir très loin. Mais si c'est pour fuir, tu emmèneras ton mal-être. Prends soin de toi, de ton chemin. Oui, partir en Égypte pour oublier ce que vous êtes en train de vivre ici, ça va vous suivre. Donc, ça donne rien. Vaut mieux faire face, faire cette introspection qui va vous permettre de vous libérer, de quitter une situation qui est terminé pour vous, que vous avez probablement mis beaucoup d'énergie, vous êtes allé jusqu'au bout, mais il n'y a plus rien à faire autre que de reprendre votre pouvoir sur vous-même. On va aller voir pour les Sagittaires du deuxième décan, quel est le premier conseil pour vous pour ce mois d'octobre? Soufflez! Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves, partage-les. Écris-les. Parle-en toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. Oui, ben, c'est en parlant, parfois, ça peut vous amener des opportunités incroyables. Les écrire aussi, peut-être pour vous mettre vos idées de plus en plus claires, puis d'en parler autour de vous. Vous savez pas, peut avoir quelqu'un, quand vous allez parler de vos projets, ou en tout cas de vos envies, de vos rêves, qui peut vous aider à les réaliser par des contacts, par des suggestions, mais peu importe. On vous dit de semer sa graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti, n'aie crainte.
Tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Bien, c'est pour ça l'idée de les écrire, parce que ça va vous obliger à vous les rappeler. Ça peut être une petite phrase, exemple, devant votre ordinateur pour ne pas perdre votre objectif, votre intention de ce que vous voulez réaliser. Parce que vous êtes en période de semence. Oui, parce que vous allez vous détacher de ce qui s'est passé pour partir vers de la nouveauté. Laissez-vous porter aussi par la vie, par vos intuitions. Oh, j'en ai plusieurs. On va aller voir quel autre conseil qu'on a pour vous. Les Sagittaires du deuxième décan, abandonne tes vêtements trop petits. Respire, prends ce nouveau départ sans peur. Oui, parce qu'il y a une fin pour certains, hein? En tout cas, certainement une fin de relation. Mais c'est ça, vous allez respirer beaucoup mieux parce que vous allez retrouver votre liberté, votre essence de qui vous êtes. Je le vois comme un mal pour un bien. Hein? Des fois, on arrive à la fin, il n'y a plus rien à faire, il faut s'en détacher. Et on vous dit, qu'attends-tu pour te réaliser? Avance en sécurité, tu es la seule personne importante à ta vie. Oui, de tout rassembler. Ben, vos compétences, vos connaissances, votre façon de voir la vie, vos traditions, vos valeurs, vos principes, rassemblez-vous en un seul morceau pour repartir de plus belle façon, parce que c'est vous la personne la plus importante dans votre vie. Les Sagittaires du troisième décan, le message pour vous, infusez. Beaucoup de choses se passent dans ta vie. Des enseignements de la sagesse à intégrer, oui, parce que vous allez avoir fait des découvertes. Hein? Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Oui, parce que quand on a appris des nouvelles choses, quand les choses bougent beaucoup, ben oui, on a besoin de se poser, de prendre un temps d'arrêt pour laisser toutes ces informations-là s'infuser à l'intérieur de nous pour les intégrer. Puis ensuite, ben, ça va vous permettre d'avancer, mais pour l'instant, c'est un temps de prendre du temps d'arrêt pour vous, pour prendre soin de vous, pour vous ressourcer, puis laisser les choses s'intégrer à vous. Et de faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et du pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. Oui, parce que ça vous libère de d'autres pensées. Vous êtes beaucoup plus vigilant à la tâche ou à ce que vous êtes en train de faire. Et ça va beaucoup mieux. Quel autre message pour vous? Lâche prise de ton être le plus profond. Naîtra ta plus belle création. Détachez-vous de ce qui doit être. D'autant plus qu'ici, on a un cœur hein, qui est en train de se défaire. Donc, lâchez prise. Soyez pas en dualité avec vous-même, mais regardez plus à l'intérieur de vous ce qui vous fait vibrer, ce que vous avez envie. Et de là vont naître vos plus belles créations. Parce que dans la vie, tu as deux choix possibles, t'arrêter ou avancer. Quel est le tien? Mais c'est important de s'arrêter pour avancer mieux. Et en fait, c'est de ne pas laisser les situations, les circonstances, les apprentissages plus difficiles de la vie vous arrêter. Mais d'en tirer les leçons, les apprentissages pour avancer de meilleure façon. Et c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur, les Sagittaires. J'espère que vous avez apprécié ce tirage. Merci de votre présence et de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.